Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce troisième épisode de Let's Play sur The Room Tree. Donc nous sommes dans le troisième chapitre. On a une nouvelle pièce, on se rapproche de la tour centrale de cette île inconnue. Mais on est de retour ici. Tiens. On avait déjà fait tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Bah non. Ah si, d'accord, on doit mettre le... oui, il faut... Voilà. Et ça va m'ouvrir la porte pour le chapitre 3. Ah ben, non. Une boîte. Mince. D'accord. Voilà, comme ça c'est mieux. Mince. Là. Ou pas. J'essaie de comprendre dans quel sens il faut les placer. Alors comme ça aurait été bien, mais... Allez. Ça devrait être comme ça, mais... En même temps, celui-là devrait être de l'autre côté. Bon, alors je suis débile. Faut le tourner. Ben non, ça revient au même. Donc en gros, voilà pour le haut. Pour le bas, le mieux que j'ai à faire, c'est ça, mais il me manque une partie. L'objet qui est sorti de la table est maintenant ouvert. Je crois que je peux faire tourner la molette d'en haut et celle du bas, oui.
Donc ça, j'avais compris. Oui, ça va, j'ai vu. Voilà, comme ça. Il y a le dessin en fait sur le mur de l'autre côté. Donc en gros... Voilà. Voilà. Ah. Alors, bon, ben, explorons. Ça ne semble pas fonctionner. 1795. Je ne vois pas comment le faire fonctionner. Ok. Je crois que ce train a été fabriqué pour un livre en particulier. Je ne peux rien faire avec le livre. Ici, on a nos... Ok. Voilà, tout simplement. Ok, ça envoie le courant là-bas. On va aller voir. J'arrive en haut. Très bien. Ça continue, ça envoie le courant en bas. Ici, on a le grand khan et l'impossible pyramide. Bon, et la pyramide impossible hein, en français. Ah, un objet en métal. Il y a deux faces avec des losanges. Le reste c'est des losanges, des hexagones. Bon, alors ici ça envoie vers l'appareil photo ou non, c'était le c'était un projecteur laser ou quelque chose comme ça. Ça continue. L'oscillateur. Ok, bon bah il y a le reste qu'on n'a pas encore fait, mais ce sera peut-être pour plus tard. Hein. Dans l'horloge du clocher. Donc.
Que savez-vous du temps? Cette tour fut ajoutée par mon arrière-grand-père, qui d'ailleurs a trouvé la mort plus tôt que prévu. Votre chemin apparaîtra quand la dernière cloche sonnera minuit. Le ton est un brin dramatique, je sais, mais nos ancêtres avaient compris plus de choses qu'ils ne le pensaient. Il y a véritablement des moments où le cycle de notre monde le rapproche de ses voisins, l'artisan. Ok, hop. Cavité circulaire vide, je crois qu'il manque quelque chose, oui, les aiguilles. Mais je voulais être certain. D'accord. Ah! C'est une petite cavité circulaire. Et donc, la pyramide est dedans. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir plus ici. On va donc devoir découvrir d'autres choses du genre ça. Une roue avec une poignée. Père des plumes. Alors, la roue avec le poignet. Une cavité, puis j'y attacher quelque chose. D'accord. Un petit engrenage, pardon, il n'est relié à rien. Alors, une roue avec une poignée. 4 fixations. Je ne peux pas me déplacer, donc c'est ici ou rien. Là, il n'y a pas de... Enfin, il y a une fixation là, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. C'est une sorte de cage, je ne peux pas l'atteindre. Oui, pour l'atteindre, il faudra tourner. Oui. Je peux pas. Non, il n'y a rien. Ben, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a cette boîte où il faut une clé. Il y a cette boîte où il me faut de quoi... Non, quand même pas. De quoi tirer ici et de quoi mettre certainement des aiguilles. Est-ce que je vois quelque chose de spécial? Rien du tout. Déjà coincé, quoi. Non, mais... Alors, soit j'ai pas vu quelque chose parce qu'il était pas en évidence, soit
Ah, petit pilier en métal. Et petit pilier en métal, il vient se mettre là. Ok, alors. C'est une sorte de cristal. Oui, d'accord, je peux rien en faire. Étrange, encore une étrange pyramide. Mais je ne peux pas ouvrir ces barres. Du moins, pas tout de suite. Alors, je vois rien qui puisse bouger. Si. Ah. Ah bah voilà. Enfin voilà. Une manivelle. Cette manivelle a un bout carré. Voilà. J'avais compris qu'il fallait mettre les... Ok. Un anneau en métal, d'accord. Ici, est-ce possible de faire tourner ce gros engrenage? Comme ça. On dirait une sorte de cavité. Ok, la poignée est sortie de la cavité, d'accord. Alors, ah, je dois faire ce qui est marqué là en dessous, j'imagine. Je dois trouver. Donc ça va être comme ça. Ou presque. Ça a l'air bien. Cas c'est le même d'accord, fallait scanner le tout en fait. Ok. Donc en gros, je dois faire venir là. Bon, en voilà un. On envoie le deuxième. Voilà. On envoie le troisième. Bon, j'ai pas le choix de toute façon, la sortie, la première sortie, c'est là. Si je fais ça comme ça. Pour arriver là, pour arriver là, il doit partir d'ici, donc
Il peut pas. Voyons. Attendez, je dois. Alors, je. Si je fais ça, j'arrive là, là. Oui, d'accord. Troisième. Et enfin quatrième. Bon, bah toujours la même. Pour arriver là. Oui, c'est dans l'autre sens. Ok. Pas par là, de l'autre côté. Voilà. Hop. D'accord. Voilà. Oui, il faut d'abord que je le tourne. Hop. Très bien. Un bouton, on appuie. Ok. Donc, ça c'est bien. Donc, il faut 3 points et... Non. Comme ça. Ça c'est bon. Ici, c'est ce carré là. Voilà. Et ici. Ça me paraît bien. Très bien. Un engrenage, très bien, et c'est tout. Suivant, non, l'engrenage ici, rien du tout. Ça non plus, ça serait débile. Peut-être une sorte de cristal, mais je ne peux toujours pas l'apprendre. Enfin, le prendre. Voilà. Les escaliers, hein.
Alors ici, ah bah. Ok, on a tourné la cloche. Ok, d'accord. Donc il faudra briser le cristal en bas pour faire la même. Comme ça, comme ça, voilà. Alors, un cadran, ben ça, ce sera pour en bas. On redescend. On vient ici, on pose le cadran. Ah. Merde. Ah oui, d'accord. Voilà, je dois en fait réussir avec mon cavalier. Non. Voilà. À tuer les quatre pions. Jeu d'échecs, hein, tout simplement. Enfin, règle du jeu d'échecs, même si il n'y avait pas de tout. Voyons ici. Non, ça ne fait rien. Comme ça. Bingo, j'ai compris. Voilà. Très bien. C'est quoi le délire? Ah. Faut que je trouve le double, tout simplement. Très bien. Et maintenant... Ah, toujours la même. Mais cette fois-ci, on fait tourner. Ça me paraît bien. Ici, comme ça me paraît bien. Et là... Comme ça. C'est bon. Allez. Une poignée avec une cavité. On sort de là, très bien. Une statuette de ballerine, tiens, tiens. Maintenant on a tout trouvé, ça se referme. Ok. Alors, ici.
La poignée. Bingo. Bon, bah vous savez quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera dans le prochain épisode. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et portez-vous bien. Bye!